région, j'ai dit. Ouais. On reste avec vous, n'oubliez pas, tout de suite après, soir de coupe aux manettes, c'est Romain Ballon. En tout cas, formidable prestation des Spinaliens, avec les joueurs du PSG qui seront là. Et ça repart, l'un des derniers ballons. Ah, je pense que ça va être la dernière. Avec l'énergie du désespoir, les Lillois. Le temps additionnel est terminé maintenant. C'est fini. C'est fini. Qualification d'Épinal en 90 minutes. Pas besoin de prolongation, pas besoin de tir au but. Juste besoin de Jean-Philippe Crasso ce soir. Auteur d'un doublé, on rappelle que c'est Loïc Rémy qui avait ouvert le score au bout de 8 minutes. On disait le match est plié. Eh bien, le football et la Coupe de France nous prouvent qu'il faut toujours y croire, François Clerc. C'est un immense exploit que vient de réaliser Épinal en étant mené dès la 7 ou 8e minute de jeu. Ils sont renversés complètement Lille et ont montré une qualité de jeu et un orgueil extraordinaire pour marquer deux buts magnifiques par Crasso. Et ils ont fait un match fantastique, c'est mérité de les voir en quart de finale. Et vraiment, on s'est régalé à les voir jouer, à se battre comme ça. Et vraiment, bravo à eux. La nuit sera longue à Épinal. La nuit sera longue également sur Eurosport. Avec bien entendu toute l'équipe.